Normalement, ça fait ça comme effet. Voilà. Ouais. Celles qui n'utilisent pas vraiment un modulaire, quoique certains utilisent des fois un ordinateur. Du coup, moi, j'utilise une base de samples sur un logiciel qui me permet de les mixer ensemble avec un contrôleur, tout ce qu'il y a de plus classique au final, mais j'utilise que des samples qui sont issus de pratiques de field recording, donc du coup, des sons électromagnétiques, des bruits de tram, des bruits de... beaucoup électronique du type des box wifi enregistrés au niveau des sons électroniques, électriques qu'elles peuvent générer. J'entends pas beaucoup de changements par contre sur les CD. On avait dit c'était CC1 et CC7. Sur le synthé modulaire, le principe c'est qu'on voilà, on a un câble qui transmet une information. Donc c'est comme si c'était du son, sauf que là on peut faire passer tout un tas de choses. On peut faire passer donc, à la fois du son, à la fois des signaux pour changer le volume, on peut faire osciller le volume d'un niveau fort à un niveau moins fort, de façon brusque, de façon moins brusque. Avec la carte MIDI qui est là, via une autre interface que Chloé gère qui est là-bas. Je vais être contrôlé sur certains paramètres par les spectateurs du public qui vont déclencher des samples avec leur téléphone, leur smartphone, et sur certains des pitchs de hauteur de son. Vas-y, remets le son. Bah, si je mets en... je mets en CV1. Là. Voilà. Ok. Enfin, remets du son puis touche à rien. Mais il faut que je monte aussi le truc que je branche avec. Ouais. Donc j'ai branché là, donc ça c'est ça et là. Thank you.
je me rappelle plus, ça fait peut-être un an ou deux. En tout cas. Je crois que ça venait juste, j'ai dû faire la première apparition de DIM en public. Et puis, de toute façon, comme c'est le dispositif itinérant de musique électronique, c'est normal que je vienne participer à DIM avec un instrument électronique, comme ça, qui est donc un petit modulaire. Là, celui-là, c'est une version vraiment faite pour l'intervention qu'on a prévu là de faire, parce que ça va être un peu piloté, d'après ce que j'ai compris, par une application que les gens auront sur leur téléphone portable et qui pourront réintervenir sur les patchs qu'on a fait, quoi. Après, moi, je retripote. Oui, non, mais c'est par rapport au... Il y en a d'autres, c'est plus immédiat. C'est ah oui. Mais peut-être c'est parce que c'est bizarre que ça vient du... Non, c'est direct. Il n'y a pas de latence. Bah, je sais pas. Enfin, par rapport au téléphone, j'ai l'impression. Vas-y, Romain, fais voir. Alors, c'est... Tu veux qu'on réessaye de les... Genre, je les supprime et non, puis non, on réassigne. Garde-les, garde-les justement. Mais est-ce que tu sais, lui, où il est assigné, par exemple ? Dans quel sens ? Bah, normalement, là. Là, sur le 19. Ouais. D'accord, ok, c'est ça. D'accord, lui, il est 19, lui, il est 23, lui, il est 27. Ok, d'accord. Donc ça, je suis d'accord, il n'y a pas... Pour nous, il n'y a pas. D'accord. Ok. Et donc après, toi, ici, t'es en... c'est lequel celui-là ? Est-ce que tu vois le numéro ? Bah justement, en fait, 8 et 10, alors là, j'avoue, 8, 10, j'ai changé, 19. Mais c'est ceux qui sont pas, qui manquent, tu vois. Et du coup, c'est track volume. 8, 10, 11, 9 ? Ouais, c'est ce qu'en fait. Ouais, j'ai 11, 12, 13, 15, 16. J'ai 11, et j'ai plus de. Ah, c'est peut-être passé le même nombre là. T'es là. C'est lequel ? T'es là. T'es là. Et là,